Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir Tollback, le didacticiel Tollback. La dernière vidéo a parlé de l'assistant vocal Samsung sur la Galaxy Tab. Alors, on va pouvoir jumeler ces deux assistants. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, sur la tablette, télécharger Tollback et vous servir de celui-ci. Si l'assistant vocal ne vous convient pas, vous allez sans problème vous servir de Tollback. Samsung appelle son lecteur d'écran assistant vocal. Ce n'est pas tout à fait le nom qu'il faut lui donner. Le nom qu'il faut lui donner, c'est plutôt lecteur d'écran. Les assistants vocaux sont Siri, Cortana, Google Now, qui font partie de chaque système d'exploitation, iOS, Windows et Android. Tollback va être aussi le lecteur d'écran, mais développé par Google. Ce sont des lecteurs d'écran bien distincts, développés par chaque entité. J'espère que ma chaîne vous plaît. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés actuels qui ont fait l'effort de s'abonner, car s'abonner, c'est entièrement gratuit. Ça permet à un YouTuber de se sentir réconforté par ses abonnés. Plus il y a d'abonnés, plus on a envie de faire. Et vraiment, n'hésitez pas à partager mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et surtout à partager au plus grand nombre. J'essaie dans ces vidéos de montrer toute l'accessibilité des systèmes d'exploitation, que ça soit sous Windows, Android, iOS, macOS, etc. De montrer ce qui est faisable de faire en termes d'accessibilité, et ceci pour toutes les bourses. L'accessibilité aujourd'hui sous Android qui n'est pas tout à fait à négliger, sous Windows qui s'améliore énormément, sous iOS très accessible mais qui a rencontré beaucoup de bugs ces derniers. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas se financer un téléphone à 1000 euros ou une tablette à 800 900 euros. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est que je voudrais que les enfants, les seniors puissent être aussi mobiles avec des tablettes accessibles au coût accessible et que ça soit accessible aux personnes mal ou non voyantes et à tout public. Qu'on puisse communiquer entre nous avec ces systèmes de communication. Je vous remercie beaucoup de regarder la vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a plus de 200 vidéos sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas surtout à partager toutes ces vidéos. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va donc voir le didacticiel de Tollback. Alors, je vous encourage à aller voir dans vos tablettes, dans vos smartphones. Ces didacticiels existent et c'est une partie du travail fait par rapport à la gestuelle. Ensuite, vous allez pouvoir peaufiner sur la vidéo de l'assistant vocal Samsung et de Tollback. Ce sont des didacticiels qui vont vous aider à gérer vos tablettes ou vos smartphones qui tournent sous Android. N'hésitez pas à y aller. Pour y aller, c'est simple. Vous allez donc dans Paramètres, Accessibilité, Tollback. Pareil pour l'assistant vocal. Vous allez dans Assistant vocal, Aide assistant vocal et vous allez trouver votre didacticiel. Allez-y, c'est la moitié du travail fait au niveau de la gestuelle. On va tout de suite se rendre dans les paramètres de la tablette et ensuite on va se diriger sur accessibilité. Appuyez deux fois pour activer. On valide. Tollback activé. On va donc aller dans Tollback. Une fois dans Tollback, on va aller dans les paramètres qui se trouvent en haut à droite. Paramètres. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être le didacticiel de Tollback. Attention, je précise. Lancer le didacticiel Tollback. Voilà, donc on va rentrer dans la première étape du didacticiel et vous allez voir les différences. Didacticiel sur l'accessibilité. Une fois la fonctionnalité explorée aux touches activée, vous pouvez appuyer sur l'écran pour en savoir plus sur l'élément sélectionné. Par exemple, l'écran actuel contient des icônes d'application. Obtenez plus d'informations sur l'une d'entre elles en faisant glisser votre doigt sur l'écran. Affichage de l'article 1 sur un total de 93. Allez, on va faire glisser un doigt. Acapella TTS Voices. Très bien. Continuez à faire glisser votre doigt sur l'écran pour trouver au moins une autre icône. On est parti. Accessible éditeur de mots. Vous pouvez également explorer des éléments en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, n'importe où sur l'écran. Faites-le glisser rapidement de la gauche vers la droite pour passer à l'icône suivante. Plat Resume. Pour activer un élément que vous avez exploré, appuyez deux fois sur l'écran. Explorez l'écran jusqu'à ce que vous trouviez l'icône Acapella TTS Voices. Appuyez ensuite deux fois n'importe où sur l'écran pour l'activer. Adobe Air, Adobe Acrobat, Accessible Acapella TTS Voices. Vous avez trouvé l'icône Acapella TTS Voices. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour activer l'icône.
Pour passer à la leçon suivante, recherchez le bouton suivant, situé près de l'angle inférieur droit de l'écran, puis appuyez deux fois dessus pour l'activer. Alors comme vous voyez, c'est un peu ressemblant à l'assistant vocal de Samsung, mais il y aura d'autres fonctionnalités. Pour faire défiler une liste, vous pouvez faire glisser deux doigts le long de l'écran. Par exemple, l'écran actuel présente une liste de noms d'applications pouvant défiler vers le haut ou vers le bas. Explorez tout d'abord l'écran, puis identifiez une application. Affichage des articles 1 à 15 sur un total de 93. Altcast Premium. Placez maintenant deux doigts sur un élément de la liste et faites-les glisser vers le haut. Si vous atteignez le haut de l'écran, retirez vos doigts, placez-les plus bas sur la liste, puis faites-les glisser de nouveau vers le haut. Antbedouk Calculatrice. Explorez l'écran pour trouver une autre application. Affichage des articles 13 à 27 sur un total de gestionnaire de fichiers. Vous pouvez également faire défiler une page entière en faisant glisser votre doigt. Pour passer à la page suivante, faites glisser votre doigt vers la droite, puis vers la gauche dans un même mouvement. Essayez de passer à la page suivante en faisant glisser votre doigt vers la droite, puis vers la gauche. Clarez Zoom. Affichage. Explorez de nouveau l'écran pour trouver une application sur la page actuelle. DigiPost Plus. Pour accéder à la page précédente, faites glisser votre doigt dans la direction opposée, de gauche à droite en un seul mouvement. Essayez de passer à la page précédente en faisant glisser votre doigt vers la gauche, puis vers la droite. Chrome. Affichage. TalkBack présente des menus contextuels qui vous permettent de trouver facilement les paramètres et les commandes, le menu contextuel général et le menu contextuel local. Vous pouvez activer un élément de menu en faisant glisser votre doigt sur le cercle des éléments de menu, puis en relâchant lorsque l'élément souhaité est énoncé. Essayez d'afficher le menu contextuel général en faisant glisser votre doigt vers le bas puis la droite en un seul mouvement. Alors c'est ici que vous allez apprendre les mouvements de TalkBack. Ici, on va faire descendre le doigt vers le bas et tourner en angle droit vers la droite. Le menu contextuel général contient des commandes générales qui fonctionnent dans l'ensemble de l'interface TalkBack. Essayez de lire tout le texte affiché à l'écran. Appuyez au centre de l'écran pour afficher un menu circulaire autour de votre doigt, puis faites glisser votre doigt sur le cercle d'options jusqu'à ce que vous entendiez lire à partir du haut de la page. Appuyez sur l'écran et décrivez un cercle pour rechercher un élément, puis levez le doigt pour le sélectionner. Alors ici, dans la nouvelle version 5.1 de TalkBack, on peut aussi mettre ce menu en boîte de dialogue, liste. Leçon 3, menu contextuel, parfait. Cette commande vous permet de lire tous les éléments affichés. En complément du menu contextuel général, TalkBack dispose également d'un menu contextuel local. Celui-ci contient des commandes qui varient selon les éléments sélectionnés à l'écran. Essayez d'afficher le menu contextuel local en faisant glisser votre doigt vers le haut puis la droite en un seul mouvement. Ici, on va le faire. En appuyant au centre de l'écran, puis en relâchant la pression, vous annulez l'action effectuée et fermez le menu. Essayez de fermer le menu contextuel local. Appuyez sur l'écran et décrivez un cercle pour rechercher un élément, puis levez le doigt pour le sélectionner. Voilà donc ce petit tutoriel sur le lecteur d'écran TalkBack. Je voulais vous faire ces deux petits tutos pour vous montrer que Android est bel et bien accessible. On a moins de fluidité que sur iOS, mais l'accessibilité existe. Et surtout, le coût de chaque appareil est vraiment moins cher. Alors, pour communiquer avec vos proches, avec vos amis, eh bien on a une solution, c'est le petit robot. Et ce petit robot, l'Android, bien peut nous aider à communiquer avec nos proches via différents logiciels, Skype, Angoo et bien d'autres qui nous permettent de discuter avec nos proches. Par rapport à ces tablettes, à ces smartphones qui, avec les opérateurs, coûtent quand même moins cher, ben, on va avoir la possibilité de se servir aussi des assistants vocaux que l'on parle depuis quelques temps. J'espère que les vidéos que je vous ai montrées dernièrement vous auront plu, qu'elles vous auront montré que Android vous permettra de communiquer avec vos proches. J'espère que Android pourra aussi vous donner satisfaction. Mais comme je vous disais, c'est vrai que au niveau de l'accessibilité, il y a encore des progrès à faire. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, à liker la vidéo si elle vous aura plu, à vous abonner pour continuer à suivre toutes mes vidéos dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut !